FAQ, première question de My Joy est là. Je dis les prénoms ou pas? Je sais pas, ouais. Allez, c'est parti pour la première question. Est-ce que Alia fait toujours de la boxe? Est-ce que la prochaine fois, vous pouvez vous faire des giveaways concours sur cette chaîne, s'il vous plaît? Ah, grave. Est-ce que tu fais d'abord de... Est-ce que tu fais toujours de la boxe? Je fais plus de boxe depuis 10 ans, j'arrête. Voilà, arrêtez. Je lui dis tout le temps, ouais, reprends. Et elle a la flemme de reprendre. Non, j'ai pas la flemme, j'ai pas trop le temps. J'ai pas du tout le temps même. Non, genre, si là, t'as un rythme régulier pour reprendre la boxe, tu le fais, tu reprends. Genre, si je te dis, vas-y, si une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine, oui. On y va. Oui. Moi, avant, j'y allais genre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et concernant les giveaways et concours, bah, je sais pas, je crois que c'est compliqué de faire des concours sur YouTube. Bah, je sais pas. En fait. Vu qu'on est. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos, les poster et puis après disparaître pendant 3 mois, tu vois, de YouTube. Mais je te jure, je sais pas comment on fait des concours sur YouTube. Mais why not? Prochaine question de Lewis Hamilton. Ah bah, Lewis Hamilton. Question bizarre, je sais. Vous êtes mis ensemble car vous avez les mêmes prénoms? Ouais, c'était la seule raison. Ouais. Parce qu'en vrai, je peux pas le supporter, mais comme il s'appelle Ali comme moi, Alia. Mais du coup, ça la calme. Je me suis dit, oh, franchement, c'est stylé quand même, ça fait un couple stylé et tout. En plus, il est plutôt beau gosse, donc. Je me suis dit, allez, pourquoi pas en tente. Elle dit n'importe quoi, elle m'a vu, coup de foudre. Et puis, pourquoi pas se marier ensemble, vas-y, parce que. Non, pas du tout, c'est pas les prénoms. C'était la cerise sur le gâteau, genre. Donc Lewis Hamilton dit, vos vlogs sont lourds, simples et efficaces. Aïe. Ah, c'est mignon, merci. Merci Lewis. Donc ensuite, Asya qui demande, comment c'était le confinement à deux et comment vous l'avez vécu? Franchement, on a kiffé de malade. Le confinement, ça nous a fait grave du bien. En fait, nous, on est tout le temps en vadrouille, à gauche, à droite, on voyage, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voyage, c'est trop bien. Mais on travaille beaucoup aussi, donc on dort très très peu. Et du coup, bah, on partait, on revenait, on repartait, on revenait. Et à chaque fois qu'on revenait, bah, on avait tout le travail qu'on n'avait pas fait donc pendant les jours où on n'était pas là. Sur place, ouais. Et du coup, ça c'est vrai que ça nous mettait beaucoup de pression, etc. Mais ça va. Et en fait, pendant le confinement, bah, du coup, on était à la maison, on a rattrapé tout le taf qu'on avait en retard. C'était trop bien. En plus de ça, ça nous a permis de souffler un peu aussi, tu vois. Ouais, de souffler, mais aussi, tu sais, par exemple, on avait des projets qui étaient en stand-by. Sur lesquels on se disait, eh, vas-y, on le fera quand on aura du temps. Et on le fera quand on aura du temps. Et là, on a eu grave le temps. Moi, ça m'a permis de travailler sur plusieurs projets, dont notamment un là qui va arriver bientôt. Zara, j'ai clignoté toi aussi. Toi aussi, t'as clignoté des yeux. Je savais que t'as vu clignoté. Et voilà, nous, franchement, en vrai, on l'a bien vécu. Ouais, on l'a grave bien vécu. En fait, c'était vraiment genre notre bol d'air. En fait, c'était le moment où on pouvait Se consacrer à faire d'autres choses. Ouais, et puis même des petits trucs, genre faire du rangement, tu vois, trier ci, faire tel papier. Faire la cuisine. Ah ouais, putain. On a cuisiné v'là les plats pendant le confinement. On a testé, en fait, on a suivi tous les tutos cuisine asiatique. Ouais, nous on était à fond Thaï-Jap. On était à fond dans ce délire-là, on mangeait hyper sain. Mais on a pris quand même du poids, je comprends pas. Non, en fait, on mangeait pas sain. On mangeait sain le soir quand on faisait nos recettes ensemble. Mais la journée, on mangeait du chocolat toute la journée. Ça a répondu à ta question, j'espère. Donc ensuite, je suis en train de les découvrir en même temps, donc là, il n'y a pas de préparé, et on n'a rien préparé du tout. C'est un truc de ouf quand je vous dis qu'il nous colle ce lapin. C'est une glu. Prochaine question de Fatih. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 2 ans. Enfin, 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. Non, un peu moins de 2 ans, je crois. 2 ans. Ah si, ça fait 2 ans. On va répéter 2 ans longtemps ou... Putain, ça fait 2 ans. Ouais, on l'a même pas fêté. On l'a pas fêté, franchement. Tu vois, Fatih, tu me mets dans des galères. Non, mais la vérité, moi là, je rigole même pas. Je m'en fous, tu me fais un truc. Vas-y, d'accord, on fera un truc. Quand? Après la FAQ, peut-être? Non, tu me fais un truc, un jour, tu me viens un jour. D'accord, mais ça serait une surprise si je te le dis, c'est pas une surprise. Jure-le, tu vas me faire une surprise. Oui, je te ferai une surprise. Merci, Fatih.
Ensuite, il y a plusieurs questions qui demandent à quand le bébé. En fait, on a plusieurs projets qui sont en train de se mettre en place. Puis je pense que ouais, peut-être que quand ce sera bien développé, etc. Bah là, on pensera à faire un enfant. Pour l'instant. En fait, moi, je pars du principe qu'on a envie de mettre des bases solides dans notre business, tu vois, pour que après, on ait le temps de se consacrer à l'enfant. Tu peux pas faire un enfant. Après, moi, c'est mon avis, tu vois. Il y en a qui arrivent bien à faire un enfant et puis après créer leur business. Mais moi, je pars du principe que, tu vois, on a un truc carré, ouais, qu'on puisse, en fait, même sans travailler, qu'on ait une rentrée d'argent sûre, tu vois. Voilà, on est en train de mettre ça en place pour après, je pense, assurer la vie de l'enfant, tu vois. Ça répond à ta question ? Oui. À vos questions, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ensuite, vous avez quoi comme origine ? Moi, je suis tahitien. Et moi, je suis brésilienne. Wow ! Je suis trop fière de mes origines, je suis marocaine. Elle est marocaine et moi, 100%. Et moi, je suis turc, 100% aussi. 1000% même. Donc là il y a Caro qui dit Ali et Alia, proposez-vous des workshops sur la photo ou la vidéo? Moi je te laisse répondre là. Eh ben dis donc. Non bah écoute, l'un des projets qu'on est en train de mettre en place là, ça concerne un peu ce milieu là, tout ce qui est photo, vidéo. Et normalement il y aura des workshops sur la photo et la vidéo. Donc voilà, une fois que le projet est monté, ben je pense que le développement du projet il sera dans les vlogs. Donc je pense que Ouais, tu peux parler? Ah non. C'est mon téléphone, j'ai oublié de le mettre en silencieux. Dans les prochains vlogs, je pense que je vais vous filmer ça, le développement de ce projet là. Comme ça, vous allez avoir une vue aussi en backstage de comment est-ce que ça se déroule. La prochaine question. Quoi? La prochaine question, c'est Dina qui dit quels sont vos objectifs carrière couple? Alors moi, mon objectif carrière donc c'est d'être dans Vogue, d'être mannequin Victoria's Secret. Non, je rigole. Ouais, comment tu forces? Non, je rigole, franchement. Vogue, à la limite, c'était faisable, tu vois. Non, c'est faisable. Victoria's Secret, mais jamais de la vie tu fais ça. Pourquoi? tous les jours, je suis chanceuse de tout ce qui se passe pour nous, en fait, de tous les projets qui viennent. Après, le truc, c'est que notre rêve, c'est quand même d'avoir un business qui tourne à nous, un peu plus stable, entre guillemets. Parce qu'en fait, le taf qu'on fait actuellement, c'est ponctuel. On a quelques marques avec qui on travaille sur l'année, mais généralement c'est ponctuel et on n'a pas des revenus fixes. Donc là, moi, ce que perso, après moi, c'est ce que je préfère aussi, c'est d'avoir un revenu fixe, de monter un business, d'avoir un revenu fixe. Au moins, t'es sûr où il y a de l'argent qui rentre, comme je t'ai dit tout à l'heure pour l'enfant. Bah, comme ça, on va pouvoir être sûr qu'on aura des rentrées d'argent pour pouvoir assurer une vie de famille, tu vois, assumer une vie de famille. Objectif carrière, c'est ça. Ça serait de monter des business. Et toi, t'as un rêve, chérie? Un vrai rêve, genre. Franchement, ça serait de devenir un photographe ou un réal reconnu, tu vois. Même pas reconnu, en fait, je m'en fous. De faire des vrais... De faire des... Genre, faire des couvertures de magazines, tu vois. Faire couverture de Vogue et t'as tout. T'as déjà fait, ouais. Ouais, mais... Couverture de magazines. Ouais, mais Vogue et tout, tu vois. Plus prestigieux encore. Je suis sûr que quand t'auras Vogue, t'en auras rien à foutre. En fait, je suis un éternel insatisfait. Genre, dès que j'ai un truc, et ouais, sinon, l'objectif ultime, ça serait de faire un film. Ça te dirait de faire de réaliser des Marvel, tout ça? Non, c'est trop. Je me vois pas, genre, réalisateur film Marvel et compagnie, tu vois. Pourquoi? Non, c'est trop. Je me vois plus, genre. Film indépendant. En fait, pas avec des super pouvoirs. Moi, je suis plus dans le dramatique ou, tu vois, un peu comme les films comme Fight Club. Genre Fincher. Et c'est mon réal préféré. Question suivante. Alors, Sabrina qui dit, as-tu complètement arrêté de fumer cigarette électronique? T'en es où? Je suis encore dessus. Ouais. Mais j'ai arrêté de fumer la cigarette, tu vois, je fume ça. Au moins, il n'y a plus l'odeur de cigarette. Là, ça va être fraise, vanille. Au moins, ça la saoule pas. Et que je tire dessus, tu vois. Donc, il faudrait que je pense à arrêter ça aussi. Il y a encore Sabrina qui dit, j'aime bien votre canapé, il vient d'où? Bon, le canapé, c'est MD Galerie, mais il n'existe plus, je crois. Donc, vraiment, désolé. Mais sinon, c'est MV Galerie et ils font des trop beaux trucs. Ouais. RMRC Boss, votre prochain voyage. Alors, normalement, mais rien de sûr encore. Normalement, on devrait partir au Portugal prochainement. Parce du qu'en coup, fait, entre temps, on fait que partir là.
Genre, on part demain, on part dans 3 jours. Mais ils seront au courant s'ils suivent les vlogs de toute façon. Kenza Bilka qui dit: comptez-vous un jour visiter l'Algérie? Bah oui. Ouais, bah je pense que on aimerait trop visiter l'Algérie. Bien sûr. Après, je crois qu'il y a des trucs de visa et tout là à faire, non? Ouais, c'est compliqué hein, par contre. Ouais, franchement, on aimerait trop visiter l'Algérie. Après, c'est dans nos projets, tu vois, mais c'est en perso. Du coup, faut qu'on ait le temps de le prendre sur notre temps perso. Ah tiens, c'est marrant ça. Titoum qui dit: comment ça s'est passé au début la cohabitation entre vous? Est-ce que moi je parle et toi tu parles après? L'adaptation à l'habitude de chacun, l'organisation, bref, vas-y. Bah punaise. Au début, alors avec Alice, c'était genre très conflictuel. C'était électrique de fou. C'était du n'importe quoi. En fait, au début... Mais on s'aimait trop genre, et du coup... C'était plus... De la passion, non? Ouais, c'était passionnel, c'était... Ouais, en mais fait... Mais même maintenant, mais on se tirait dessus. C'était abusé, en fait. Genre, elle a un caractère fort, tu vois. Et lui aussi. Et moi aussi, de malade. Et du coup, on s'embrouillait... Tout le temps. C'était électrique de malade. Mais on s'aimait trop, genre. Et ouais, il nous a fallu, en fait, un temps d'adaptation. Mais genre, la première année, c'était la plus hard, mais en même temps, c'était la plus belle, franchement. Non. Au début, ouais, c'était un peu compliqué, hein. Dans les deux sens. Elle, genre, j'avais l'impression qu'elle voulait avoir le pouvoir, elle voulait avoir le dessus. Moi, j'aimais pas ça, du coup, je voulais avoir le dessus. Tu sais, c'était un peu un « je te teste, voir jusqu'où tu vas », »,« moi, je te teste, voir jusqu'où toi, tu vas ». Et ouais, pendant longtemps, c'était comme ça. Ouais, ça te fait... Tu sais que je croyais que t'allais oublier, bah genre cette période. Mais jamais de la vie. Parce que ça date. Jamais de la vie, tu m'as cassé la tête, mon frère, tu m'as cassé les couilles, un truc de ouf. Donc la prochaine question c'est Bailaou, désolé hein, si je prononce mal, Bailaou Diallo. À quand la prochaine collection de montres? Là on a plusieurs rendez-vous et je pense que ouais, ce sera prochainement. Ouais, donc là comme je vous ai dit, dans les vlogs vous allez assister aux rencontres, au développement de tout ça. Il y a le projet, tout ce qui est photo qui va être mis en place. Il va y avoir les rendez-vous pour la collection de montres, la prochaine collection de montres. À quand la date? Je peux pas te donner une date. Non, on n'a pas de date encore. Exact comme ça. Mais il y en aura une deuxième. J'espère que moi, comme c'est large, mais il y aura une deuxième collection. Et d'ailleurs, merci pour tout le soutien. Franchement, de malade. Tellement ouf. Franchement, de malade. Vous êtes des amours. Et tiens, moi je tiens à dire que les montres en fait c'est des collections made in France, tu vois. Elles sont toutes made in France et elles mettent du temps à être livrées. J'ai eu 2-3 retours en disant, mais tu sais, même sur le compte Insta, franchement, il y a des gens comme ça. Eh, c'est de l'arnaque, n'achetez pas. Qui mettaient sur le compte Instagram des montres, tu vois. Ouais, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, n'achetez pas parce qu'ils n'avaient pas reçu leur produit. Ouais, mais ça. Donc en fait, le truc c'est que les montres, une fois qu'elles sont commandées, elles sont fabriquées à l'unité. Ça veut dire qu'on n'a pas de stock, il n'y a pas de stock du tout. À chaque commande, bah, on est obligé d'attendre la fin de la vente. Ça veut dire que si la vente elle est sur une semaine, on est obligé d'attendre la fin de la semaine pour que la production de montres elle se mette en place. Et la production de montres en fait c'est du one-to-one, ça se fait à l'unité et c'est ça en fait qui met du temps. Du coup la livraison au bout d'un mois, tu vois. Mais on peut pas faire plus vite par rapport à la production. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir c'est des montres uniques, tu vois. Et ouais. Ça c'est le point fort de la collection. Et je trouve quand même qu'ils ont été grave bienveillants, tu vois, certains nous envoyaient des messages, tu vois, en fait c'était... gentil, et même moi j'étais surprise, je me suis dit attends, ils ont toujours pas reçu leur montre, tu vois, c'était... Ouais. Moi j'étais un petit peu choquée, et franchement vous avez été trop gentils, parce que vous auriez pu, tu vois, nous dire ouais, par contre c'est un peu abusé, ou ouais. Ce que je peux comprendre. Mais sinon, la prochaine collection, elle arrive, et on va essayer de remédier au problème. À chaque collection que tu sors, tu auras toujours des petits trucs. Bah, on va évoluer, ouais, on va évoluer ensemble. Hein. Exactement. On va apprendre des erreurs, on va évoluer ouais. Tous ensemble. Ensuite, prochaine question, et la note qui dit: quelle est la force de votre couple? Attends, du coup la question c'est: quelle est la force de votre couple? Genre au niveau taf ou non, personnel? Non, chérie, personnel, genre c'est quoi notre force? Comment on fait pour être aussi soudés et voilà, tu vois. En fait c'est ma pote, c'est ma femme, et c'est pas ma pote, c'est mon pote. En fait c'est mon pote. Et c'est ma femme, tu vois. Et genre, faut qu'il y ait les deux. Quand c'est mon pote, je me tape avec elle. C'est baston. Et quand c'est ma femme, bah, c'est plus de l'amour. C'est plus ce que vous voyez pas devant l'écran. C'est de l'affection. C'est de l'affection. C'est de l'affection. C'est l'affection. Ça m'a perturbé, j'ai dit non. Non, mais ouais, c'est ça. Et puis, ouais, et puis on est soudés en fait. On est un couple soudé. On taffe ensemble. On voyage ensemble. On mange ensemble. Tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Et on est devenu une personne. On est grave frontal, mais je pense que c'est ce qui fait notre complicité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on est comme ça, quoi. Genre. Oh, c'est trop mignon. Il y a une meuf, Camille. Alia, quand tu souris, je souris aussi. C'est trop mignon.
Ah, voilà, tu vois. Il y a cette question-là. De quand date votre dernière dispute? C'est il y a 30 minutes. Eh, faut pas croire, mais ouais, on se dispute, hein. Ça nous arrive de nous disputer. Non, on se dispute bien et C'est normal. on se réconcilie bien et on rigole bien. En fait, c'est les montagnes russes. Notre couple, ça fait. Non, mais c'est trop ça. Non, et croyez pas, on se dispute aussi derrière la. Enfin, on le montre pas devant la cam, c'est normal, mais. Non, ça c'est notre vie privée. C'est Genre, privé, tu on se vois. dispute, c'est entre nous. Mais. Sauf quand c'est drôle. Bien sûr que ça nous arrive de nous. Bien sûr que ça nous arrive de nous disputer, tu vois. En plus, pour de la merde. C'est des trucs, mais c'est nul. Bon, vas-y, on va faire une dernière question. C'est Dora l'exploratrice qui dit: vous êtes adorable. Merci. Merci, c'est trop. Cute. C'est trop choupidou. Comment vous organisez votre intérieur? Vous allez souvent voir vos familles respectives. Est-ce que ça se passe bien, la différence culturelle? Bon, non. Ouais. Je sais pas comment répondre Comme à tout le cette monde, on question. a notre espace travail, on a notre espace. Bon, voilà, c'est tout, quoi. Ouais, comme tout le monde. Vous allez souvent voir vos familles respectives? Bah, on essaye de les voir le plus souvent possible, sauf qu'en fait, on a un gros problème, c'est qu'en fait, on a sa famille. Enfin, Ouais, moi, ma c'est ma famille. famille, mais c'est. Ouais. Sa famille de son côté, en gros, ils sont dans une province. Ma famille, ils sont dans une autre province. Et mon frère, il est dans une autre province. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller les voir, C'est le triangle des Bermudes. C'est genre. C'est un triangle, ils sont tous à l'opposé, en fait. Mais on essaye d'aller les voir le plus souvent possible, tu vois. Ouais. Quand on a le temps. Et vu qu'on voyage beaucoup, comme on l'a dit, c'est dur. Mais on essaye. Ouais, c'est très très important d'aller voir la famille, de donner du temps à la famille. Bizarrement, putain. Et est-ce que ça se passe bien, la différence culturelle? Ouais, grave. Bah après, en fait, on a On la n'a même pas, culture. ouais, on n'a pas vraiment une différence culturelle. Ouais, c'est la même culture. Quand tu regardes, en fait, c'est trop drôle parce que des fois, il me sort des expressions de sa mère que, genre, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Que sa mère, des fois, elle me dit des trucs, j'ai l'impression d'entendre ma mère, c'est la. Enfin, bref, c'est trop drôle en Ouais, fait. parce que c'est des expressions sensées, tu vois. Ouais, Des trucs c'est des trucs de daronne, de nos darons, tu vois. C'est censé. mais. En fait, moi et Ali, c'est trop bizarre parce qu'on a été élevés de la même façon. Bon, en fait, C'est ouais, un plus truc ou de moins, fou. on a la même histoire, tu vois. On a un peu Ouais. la même histoire au niveau vie Famille. privée, tu vois. Ouais, c'est Elle a grandi sans son père, moi j'ai grandi sans mon père. On a grandi qu'avec nos Nos mères, tu frères. vois. On a un frère Voilà, chacun. on a un frère chacun. On a à peu près le même vécu en tant qu'enfant, tu vois. Ouais. Donc ouais, on a à peu près la même éducation, t'as vu? Elles sont nées, genre, sa mère le 8, c'est pas le 8 novembre? 10. Le 10 novembre, et ma mère c'est le 8 novembre. C'est pas un truc de fou quand même? Non mais moi je trouve ça abusé. Mon père il s'appelle Ali. C'est trop bizarre quand même. Il y a Et trop de là, trucs vous, et là, vous chelous avez des infos en fait. J'avoue. qu'on n'a jamais dit en fait. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Et merci pour les petits messages, franchement c'est Ouais. trop mignon. Après, les autres messages, bon, c'est pas des questions, mais genre merci, tu vois. Les messages du genre je vous Vous kiffez, kiffe, vous vous êtes êtes trop trop cute. cute, J'adore j'adore votre votre couple. couple. Merci, voilà l'équipe, vous nous donnez une force et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc sur ce, bah écoute. On se dit à une prochaine FAQ et au prochain vlog. Et puis mets ça en com si t'as kiffé. Et je te dis à plus tard. Gros bisous! Elle est nulle la fin. On a dit bisous toi aussi. Bon bah. Gros bisous. Bisous! On n'a pas une autre fin, franchement. On va trouver une autre fin. Vas-y, à plus tard. Attends, je vais à lui.